Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adama Laminou. Je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du traitement de maladies courantes des béliers, surtout en cette période qui s'approche déjà de la Tabaski. Pourquoi on doit parler du traitement à base des plantes ou bien des produits naturels? C'est pour éviter, vu l'approche de la Tabaski, pour éviter que les gens ne consomment de la viande avec des résidus, des antibiotiques dans le corps de l'animal. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons parler de deux choses. La première chose, c'est d'abord le traitement des maladies courantes, c'est-à-dire des diarrhées, des problèmes respiratoires à base de plantes. Et la deuxième partie sera sur l'alimentation d'engraissement du bélier. Nous vous conseillerons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On va partager au moins 2 à 3 formules alimentaires qui puissent vous donner des gros béliers en un laps de temps. On verse dans la bouteille. Voilà. Toute la solution est déjà dans la bouteille. Vous remplissez à moitié la bouteille pour permettre un mélange homogène. Et là, vous avez déjà votre solution antidiarrhique qui a été composée. Et lorsque vous voulez maintenant servir, c'est tous les 2 heures. Si la diarrhée elle est intense, toutes les 2 heures, il faudrait prendre un gobelet comme ça qui fait 100 ml. Vous prenez un gobelet que vous allez remettre dans une petite bouteille qui vous servira d'abreuvoir pour le bélier que vous voulez servir. Que ce soit un bélier ou bien que ce soit une chèvre, vous allez prendre un gobelet comme ça qui fait 100 ml. Vous versez dans une bouteille comme ceci que vous allez maintenant passer dans la... faire boire l'animal, c'est plus facile avec une bouteille pareille. Vous enfoncez directement dans la bouche et vous faites boire l'animal. Si la diarrhée elle est vraiment intense, vous allez faire toutes les 2 heures. Si elle n'est pas trop grave, vous faites matin, midi, soir, c'est-à-dire 3 fois la journée. Et en espace de 2 jours maxi, vous allez voir la diarrhée va s'arrêter. Et l'animal va se réhydrater du fait que vous avez une solution qui contient du sel et du sucre en même temps. Et le charbon, même chez les humains, ça stoppe aussi rapidement la diarrhée. Là, vous avez fini avec votre traitement contre la diarrhée. Alors maintenant, s'il s'agit de problèmes respiratoires, où vous allez constater les mots veulent sortir des naseaux, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour traiter ça? Vous pouvez utiliser de l'ail. Vous prenez une gousse d'ail que vous allez piler. Vous mettez dans une petite bouteille aussi comme celle-là, vous mettez un peu d'eau, vous faites boire le bélier, matin, soir, pendant 2 jours, ça va s'arrêter. Que ce soit des problèmes bactériens ou bien que ce soit des simples problèmes respiratoires dus peut-être à un changement climatique, ça va rapidement résoudre le problème et vous n'avez laissé aucune trace d'antibiotiques dans le corps de l'animal. À tout moment, vous pouvez l'abattre sans risque de contamination. Donc maintenant, pour l'alimentation, comme on a promis dans le début de la vidéo, nous allons vous donner 3 formules alimentaires qui vous permettront d'avoir des gros béliers si vous voulez faire dans l'embouche.
des petits ruminants, que ce soit le bélier ou bien le bouc. Ces trois formules vont vous permettre d'avoir des gros béliers ou bien des gros boucs en un temps record. Donc, suivez juste la suite, vous allez voir les différentes formules. On vous fait grâce de trois formules. Comme ça, vous pouvez expérimenter chez vous et vous nous direz la suite dans les commentaires. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous remercions beaucoup et surtout pour ceux qui regardent nos vidéos sans s'abonner, nous vous prions de le faire parce que c'est pour nous encourager à faire mieux, à toujours chercher des contenus intéressants pour vous et répondre surtout à vos besoins parce que chez Hamal Farm, c'est vous qui décidez quelle vidéo vous voulez. Et lorsque vous nous laissez en commentaire les vidéos que vous préférez, on va se battre pour faire une vidéo à votre guise. Et pour cela, nous vous prions de toujours vous abonner. Ne regardez pas simplement les vidéos et appréciez, mais abonnez-vous, partagez, likez pour nous encourager à faire mieux. Plus nous sommes nombreux, plus on va toujours faire des contenus intéressants pour tout le monde, pour que les Africains arrivent à nourrir les Africains et que nous puissions surtout, le plus important, c'est pouvoir laisser un héritage important pour la nouvelle génération. Si aujourd'hui nous n'avons pas pu résoudre le problème de l'Afrique, au moins pour que la prochaine génération qui viendra se rendra compte des efforts que nous avions fournis ensemble et qu'à partir de là, ils vont continuer de telle sorte que l'Afrique puisse se nourrir d'elle-même et puisse vivre et jouir de sa liberté. Merci et à prochainement.